championne de France. Pauline Ferrand-Prévot, juste derrière nous, si vous faites un demi-tour, on va prendre la ligne à l'UV. Vachement séché. Junior, avec une arrivée, leur souci. Et cette concurrence, finalement, terminée. Dernier tour. Allez, Pauline. La place passe au Thomas Guaita. Et dernier tour également pour Audrey Menu. Deuxième victoire en Coupe de France sur le VTT, Pauline Ferrand-Prévot. Multiple championne de France, cyclocross, route et victoire également en Coupe du Monde, Pauline Ferrand-Prévot. Vous pouvez s'il vous plaît à nouveau applaudir bien fort pour symboliser sa victoire. Marco Moschetti sur cette troisième place des moins de 23 ans et quatrième du classement de classe pour les petits demoiselles. En Coupe du Monde, elle en a connu celle qui va venir se glisser entre ces deux jeunes et talentueuses compétitrices. Elle en a connu sur la route avec des victoires en Coupe du Monde, victoires en Coupe du Monde sur VTT également, multiples championnes de France. Rien que pour cette saison, vous allez pouvoir saluer pour l'AC Bazancourt Reims, la vainqueur du jour dans la catégorie des moins de 23 ans, Pauline Ferrand-Prévot. Et attention, ils ont changé l'ordre d'entrée en nouveau. Le podium des moins de 23 ans, Pauline Ferrand-Prévot, Perrine Gozen, Margot Moschetti.